Bonsoir à tous et bienvenue au Centre Pompidou. Merci d'être venus très très nombreux dans cette grande salle pour cette séance du cycle La création à l'œuvre, organisée par la Bibliothèque publique d'information, qui chaque mois, autour d'un artiste invité, explore les ressorts de la création. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous un grand photographe, Martine Parr, qu'il soit chaleureusement remercié d'avoir accepté notre invitation. Depuis les années 70, Martine Parr nous livre son regard critique et acéré sur la société de consommation et ses travers, et sur l'évolution des modes de vie planétaires liés à la mondialisation. C'est en abordant des sujets aussi divers que les loisirs, l'alimentation, le luxe, et en optant pour une esthétique qui donne un impact visuel très fort à ces photographies et les rend immédiatement reconnaissables, que Martine Parr nous donne à lire le monde et nous révèle notre époque. C'est donc ce travail tout à fait singulier entre art, documentaire et politique que nous allons explorer ce soir en sa compagnie, et dans la compagnie aussi de François Hébel, qui va conduire cet entretien. François Hébel est le directeur des rencontres de la photographie d'Arles, auquel d'ailleurs Martine Parr a été très souvent associée, en particulier en 2004, alors qu'on lui a confié le commissariat des rencontres. François Hébel a été aussi l'un des tout premiers à remarquer et à exposer le travail de Martine Parr, alors qu'il effectuait au début, alors qu'il travaillait en Angleterre au tout début des années 80, et il l'a ensuite fréquenté beaucoup à l'agence Magnum, à laquelle appartient bien sûr Martine Parr. Je lui donne tout de suite la parole en vous souhaitant bien sûr à toutes et à tous une excellente soirée. Merci Francine Figuière, bonsoir à tous, on est très ravis de vous voir si nombreux pour cette première rencontre sur la photographie. J'ai la chance, grâce à cette occasion, de pouvoir poser à mon ami de longue date, comme vous l'avez compris, Martin Parr, un certain nombre de questions qu'on n'a pas toujours l'occasion de poser aux amis quand on se voit régulièrement ou que l'on se voit pour des projets précis. Donc ça va être, j'espère, ensemble et avec vos questions aussi par la suite, l'heure de vérité avec... ce photographe qui déchaîne souvent les passions, dont on adore les photos et s'interroge parfois sur son contenu. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin que la surface des choses et essayer de comprendre pourquoi ce processus, pourquoi ce point de vue, pourquoi cette esthétique. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vers la fin de la séance, toutes sortes de questions que vous aurez envie de poser vous-même. Je voulais en préambule signaler que j'ai le plaisir de mener cette interview ce soir, mais qu'il y a un excellent livre qui a été rédigé par Quentin Bajac, qui est le conservateur de la photographie au Centre Pompidou. Donc vous voyez, il aurait pu le faire tout aussi bien que moi, et qui est un livre très pertinent et qui pose en fait beaucoup des questions essentielles par rapport au travail de Martin Parr, qui a été... publié aux éditions textuelles et qui, je crois, d'ailleurs, sera disponible à la fin pour des séances de signature, pour ceux qui voudraient l'acquérir, mais enfin, qui est un livre tout à fait passionnant. Martin Parr est un photographe multiple et j'espère qu'on va avoir l'occasion d'aborder toutes ses facettes. C'est un photographe qui fonctionne par projet. Chaque projet, généralement, est destiné à être publié dans un livre, à être l'objet d'expositions. Et puis, de temps en temps, on en parlera aussi, Martin repioche dans ses archives et crée des projets transversaux et crée des livres et des expositions à partir de ses archives en racontant de nouvelles histoires par rapport à ce qu'il a pu photographier précédemment. Martin Parr, parmi ses nombreuses facettes, travaille pour la presse, travaille pour la publicité, travaille pour la mode. Il est collectionné à travers des galeries dans différents pays. Je crois que Kamel Mennour, qu'il représente en France, est avec nous ce soir. C'est quelqu'un qui a refusé d'être enfermé, et c'est quelque chose de très important aussi dont on va parler, qui a refusé d'être enfermé dans un genre ou dans l'autre de la photographie. Et ça n'est pas nécessairement une position simple. Et là encore, j'espère qu'il va nous en dire plus ce soir. Au-delà d'être un photographe,
Ça a été dit à l'instant par rapport aux rencontres d'Arles, mais Martin Parr a également été le commissaire de la dernière biennale de Brighton en octobre dernier. Il a été commissaire de plusieurs expositions. Il est éditeur de livres, parfois de photographies des autres. Il a les fameuses boring postcards, les livres de cartes postales ennuyeuses. Le livre sur le photographe John Hine, qui photographie des clubs de vacances en Angleterre. Bon, on va passer en revue un petit peu tout ça, sans rentrer dans le détail de la biographie de Martin, mais plutôt d'essayer de comprendre quel est ce personnage aux facettes multiples et qui a produit ces deux livres absolument fondamentaux sur l'histoire de la photographie à travers les livres de photos. Donc, en d'autres termes, un photographe, un artiste qui s'intéresse également aux autres artistes. Ça n'est pas si courant que ça, et en plus, de ce point de vue-là, il a aussi une approche extrêmement critique qui est tout à fait intéressante. Je voudrais, puisque je voulais citer, commencer par lancer le micro à Martin Parr en citant une réponse qu'il fait à Quentin Bajac dans ce livre qui s'appelle d'ailleurs Le mélange des genres, et où Quentin l'interroge en lui disant « Mais vos images prêtent volontairement à malentendu ». Et Martine répond « Si malentendu il y a, c'est à cause de la dimension de divertissement inhérente à mes photos. Mes images ont une motivation politique tout aussi forte que celle des autres photographes de l'agence, entendez, l'agence Magnum, à laquelle Martine collabore. » Martine, est-ce que tu peux t'expliquer sur cette dimension de divertissement qui vient peut-être jeter un voile de fumée sur ta position qui serait politique? I think I regard myself as quite a serious photographer, but when you look at my pictures, many of them are very colorful, very bright and very entertaining, and the two would appear to be a contradiction. En fait, je me considère comme un photographe très sérieux, mais quand vous voyez mes photos, qui sont des photos pleines de couleurs, il peut y avoir une confusion effectivement entre divertissement et sérieux. But because I'm very interested in being a populist photographer, I want to have my pictures to be accessible. I feel I have an obligation to try and make them, as I say, bright and colorful. And it's really, if you like, a way of disguising my seriousness. So that's why you can be both entertaining and serious at the same time. There are inevitably political elements that come into the photographs, but I don't try and spell those out. They're always lurking in the background, and I invite the viewer, if you like, to come to their own conclusion. En fait, comme je veux être un photographe populaire, je veux que ma photographie soit très accessible. Donc c'est très coloré, c'est très accessible effectivement. Mais en fait, il y a toujours un élément politique et je laisse le choix à la personne qui regarde mes photographies de pouvoir rentrer dans ces photos et de pouvoir comprendre l'aspect politique. Alors par rapport à ce que je rebondis sur l'aspect très coloré, on est en train de regarder les photographies du premier projet qui a rendu Martin Parr célèbre au-delà de la communauté photographique, qui est donc cette station balnéaire à l'ouest de Liverpool, et qui n'ont pas le Brighton chic, le Deauville anglais, mais le New Brighton, qui se trouve à l'ouest de Liverpool. Et ça a été un tournant pour Martin, puisque Martin a réalisé là son premier projet en couleur. Est-ce que ça veut dire que la couleur donc est plus accessible, et est plus populiste, comme tu dis, et plus politique que le noir et blanc? Y a-t-il là une valeur que tu as mis? Pourquoi tout d'un coup est-ce que tu as décidé de passer du noir et blanc à la couleur? I mean, I switched from black and white to color around the early 80s, maybe 1982. And I think if I look at my work previous to that, it was much more to do with the celebration of the traditional aspects of life, particularly in the north of England. En fait, je suis passé à la couleur dans les années 80, 82, et mon travail antérieure avait beaucoup plus à voir avec la célébration des traditions britanniques dans le nord du Royaume-Uni. So I think the shift to color, and I changed the color because I'd seen things like the postcards by John Hind and also seen that photography in America was taken very much more seriously in color with the onset of Eggleston and Stephen Shaw, the names that we all know and love. En fait, aussi, je suis passé à la couleur parce que j'ai vu l'accueil qui avait été fait aux photographies des diverses personnes que je viens de nommer, et aussi par l'accueil qui a été fait aux États-Unis par la photographie en couleur. So when I was offering more of a critique of society, it seemed, if you like, the ideal opportunity to explore the possibilities of color.
Et donc quand j'ai commencé à vouloir avoir une approche plus critique de la société, il me semblait que c'était plus facile à faire par la couleur. And coming back to this thing of the entertainment value, I mean, remember, I'm taking the palette of commercial photography. I'm taking the very same colors, the very same brightness, the idea of combining flash with daylight that is used by advertising photography and commercial photographers. So I'm just taking that language, if you like, and using it myself. And in that process, you are being slightly subversive. And that, if you like, was one of the reasons that I wanted to change. En fait, vous parlez de cet aspect de subversion parce que j'utilise la même palette que les photographes qui travaillent dans la publicité. C'est-à-dire que j'utilise des couleurs extrêmement brillantes, j'utilise le flash et la lumière du jour en même temps, et c'est ce qui me permet d'avoir un aspect un petit peu plus subversif, en utilisant un langage un peu plus subversif. Alors, on va revenir tout à l'heure beaucoup, parce que chez Martin Parr, l'usage des techniques, comme chez tous les photographes d'ailleurs, mais chez Martin, il a beaucoup évolué dans ses techniques en fonction des projets, on en parlera tout à l'heure. Mais pour rester sur l'aspect politique, on a souvent tendance à résumer Martin Parr, à te résumer, comme un photographe qui est né dans les années Thatcher. Quelle a été l'influence de ce phénomène politique en Angleterre et de son équivalent avec Ronald Reagan aux États-Unis dans ta détermination à faire un travail comme que tu as souvent qualifié de middle class photographeur, de photographe petit bourgeois? I think the Thatcher period in Britain was a very interesting one for photographers because you know, all photographers by sort of nature, if they're interested in documentary or photojournalism, are left wing. I mean, that's just a matter of fact. And therefore, us sort of soft left-leaning photographers really hated Mrs. Thatcher. And it, if you like, it motivated us to try and do work around what was happening in contemporary Britain. So even something like The Last Resort was as much a critique about Thatcher's Britain as it was of anything else. So the connection is very much there. And I think it led to a very strong decade of documentary, in particular done in color, which started in the 80s. And indeed, you know, at the same time, the people like the black and white people like Killip and Smith, who we all know and understand as well. So it was an important decade for British documentary photography. Est-ce que la sortie de... C'était une... Je vous ai dit que j'avais plein de questions à lui poser depuis longtemps. Ben, c'était une époque extrêmement intéressante, cette période de Margaret Thatcher. En fait, la plupart des photographes documentaires étaient de gauche. Et cette notion a été très très importante. Les documentaristes qui ont travaillé à partir des années 80 ont travaillé sur ces domaines-là. Et Last Resort, donc, ça a été aussi une façon de critiquer ces années, ces décennies de thatcherisme. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été un chef de file très influent sur les Nick Waplington, Paul Graham, ou est-ce que c'était quelque chose qui était une sorte de communauté en Angleterre à ce moment-là? There was certainly a community, and many of them things and people were associated with Farnham, which is where I was teaching photography, and the students that were coming through were people like Anna Fox, Paul Seawright, Paul Graham was teaching there as well. And it very much felt as if something was happening. So it was a very exciting time for us in the mid-80s, based around this Farnham School of Photography. En fait, oui, c'était une sorte de communauté autour de l'école de Farnham, où j'enseignais, où beaucoup de gens sont passés, par exemple Fox, Graham. Oui, c'était ça. C'était un groupe autour de cette école de photographie. Et alors, pour revenir à The Last Resort, et on va terminer pour The Last Resort avec ça, mais quand l'exposition a eu lieu à Arles en 86, ça a été un impact absolument formidable. Quelle a été la réception de The Last Resort en Angleterre? Est-ce que ça a eu le même impact, ou est-ce que c'était un phénomène des Français qui étaient bien contents de pouvoir se moquer un petit peu des Anglais, comme ça arrive également dans les deux sens d'habitude? I mean, it's funny you mention this, because the response to my work in France and Britain is very consistent, and The Last Resort is a good example of that. C'est très intéressant que vous posiez cette question, parce que la réception de mon travail, spécialement du Last Resort au Royaume-Uni et en France, sont très cohérentes. C'est à peu près la même chose. So the work was originally shown in Liverpool, which is basically the city where the pictures were taken. Le no travail problem. A d'abord a été montré à Liverpool, c'est la ville autour de laquelle no. ça a été photographié. Il n'y avait pas eu de problème à ce moment-là. No problem there, because everyone knows what New Brighton was like. But the moment those photographs came to London, there was outrage, and I was accused of being a cynic, an exploiter,
middle-class patronizing photographer, etc. En fait, lorsque ces images qui ont été montrées donc dans la région de Liverpool ont été très bien reçues, lorsqu'elles ont été montrées à Londres, là, à ce moment-là, il y a eu un scandale. On m'a accusé d'être un exploiteur, un provocateur petit bourgeois. And then you kindly invited me to show it in Arles, and the response was very positive. So I think the French somewhat enjoy the fact that I'm very mischievous about Britain. And this, I think, is one of the reasons why I almost have a bigger career in France than I do in Britain. So thank you, France, for your support. Et en fait, après, vous m'avez invité à Arles, et là, les Français ont beaucoup apprécié mon regard un petit peu amusé sur le Royaume-Uni, et j'ai eu beaucoup de soutien à ce moment-là de la France. Merci beaucoup, merci à la France de m'avoir soutenu et d'avoir soutenu l'art. Alors après de la Suisante, il y a eu toute une série de projets à long terme qui ont été développés comme Common Sense, comme Cost of Living. Et puis il y a eu ce projet assez important de Small World, qui est donc un projet qui, je crois, a été mené sur 6 ans, si je me souviens bien, sur le tourisme mondial et sur le tourisme de masse en train de se développer. Et donc encore un des aspects de la société de consommation qui tout d'un coup se mondialise. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venu cette envie de choisir ce sujet-là à ce moment-là et comment tu as réussi à monter un projet de si longue haleine dans les années 80? I mean, the book actually came out in 1995 and I've been working on it for 5-6 years before that. But in fact, it's an ongoing project of mine. We did a new edition with some new pictures quite recently. En fait, le livre a été publié en 95, c'était un projet que je menais depuis 5 ou 6 ans, il y a une nouvelle édition avec des photographies additionnelles. And there are two things which are crucial about the tourism industry. First, it is the biggest industry in the world. I mean, we must never forget, oil is second only to tourism. En fait, il ne faut pas oublier un certain nombre de choses importantes. Le tourisme est la première industrie mondiale. Le pétrole ne vient qu'en seconde position. And encapsulated in this one concept is this basic thing which photography can illustrate very well. Et de le capturer comme ça d'un seul coup d'œil, c'est quelque chose que la photographie peut très bien faire. When we think of a place, a well-known place, whether it's the Eiffel Tower, the pyramids, or anywhere in the world, quand on pense à un endroit bien connu, que ce soit la Tour Eiffel ou les pyramides, we have this image of what it's like. But when we get there, the reality is very different. Nous avons une image de ce à quoi ça ressemble, mais quand on arrive sur place, la réalité est tout à fait différente. So I can, through photography, illustrate this difference between mythology and reality. And eh bien, that's really the sort of core idea of this project. And it's one that I've often applied to other projects too. But this is really, if you like, this is my manifesto about what the world is about and my sort of contribution as a photographer to our understanding of that. La photographie, c'est justement ce qui me permet de montrer quelle est la différence entre le mythe et la réalité. Et si vous voulez, c'est une sorte de, c'est mon manifeste de pouvoir montrer par la photographie ces différences. Donc ça c'est, ce projet s'est passé plus ou moins à l'époque où tu as décidé de rejoindre l'agence Magnum, donc l'agence créée sous forme coopérative par Robert Capa, Cartier-Bresson, David Seymour, George Roger, et qui avait à l'époque à peu près une quarantaine de membres, ils sont plus nombreux aujourd'hui, tous propriétaires de l'agence à part égale et dont le système, je le rappelle dans les grandes lignes, est un système de cooptation. C'est-à-dire que seuls les photographes sont propriétaires de l'agence et ils invitent des photographes ou des photographes sollicitent leur entrée dans le groupe de Magnum et passent dans un purgatoire qui est de 2 fois 2 ans où on change de statut tous les 2 ans, à l'issue desquels on est éventuellement invité à rejoindre le groupe et à devenir membre et copropriétaire de la coopérative. Alors, l'entrée de Martine Parr dans Magnum a été un rodéo assez exceptionnel, puisque à l'époque, je l'ai vécu, je vous en parle de première main, à l'époque, la moitié des photographes disaient « si Martine Parr et son cynisme rentrent dans Magnum, nous en sortons », et l'autre moitié disait « si Martine Parr et sa photographie progressiste et moderne ne rentrent pas dans Magnum, nous sommes des vieux ringards et c'est nous qui partons ». Et le débat a été extrêmement violent, très animé, à tel point d'ailleurs que les règles ont changé, puisqu'on lui a rallongé le purgatoire exprès pour lui, et que finalement, non seulement Martine est rentré à Magnum, mais par la suite, il en a été président, et il en est un membre extrêmement influent et actif aujourd'hui. Alors moi, j'aurais envie de poser une question qui, curieusement, je ne l'ai jamais posée depuis longtemps.
Mais puisqu'on a souvent raconté cette histoire à droite à gauche de cette entrée rocambolesque de Cartier-Bresson qui ne voulait surtout pas que Martine rentre dans l'agence qu'il avait fondée avec ses amis, jusqu'au jour où il a accepté de le rencontrer en tête à tête, et puis il nous a dit bon, le gars est formidable, mais alors ses photos, ça ne me plaît pas. Mais néanmoins, tout ça s'est passé sur, je vous dis, plusieurs années. Ça a été des débats sans fin et un vrai débat fondamental d'ailleurs pour Magnum, pour savoir où Magnum se positionnait à ce moment-là sur la carte de la photographie. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment Martine a eu la constance et l'envie à la fois de rejoindre une agence qui n'était pas d'évidence faite pour lui, a eu la constance d'affronter ces débats et finalement ce que cela lui a apporté. It's very interesting thinking about my whole relationship to Magnum. And, c'est intéressant de penser à toute ma relation avec Magnum. And famously, at the opening of Small World Exhibition, the one on tourism, Cartier-Bresson came up to me and sent me a fax later that night saying, "You are from a different planet." Et à l'ouverture de cette exposition, Cartier-Bresson m'a envoyé un fax et puis est venu me voir. Il m'a dit, "Tu viens d'une autre planète." And I was very excited when I got this. This fax from Cartier-Bresson saying this because I knew I was onto something then. J'étais très excité à la réception de ce fax, de cette télécopie, parce que je savais que quelque chose allait se produire maintenant. But one thing for sure is that my joining and many other people joining has meant that Magnum has changed, and I think this is a very good thing. Je pense que le fait que moi je sois entré à Magnum et que d'autres y soient entrés aussi a été quelque chose de très important pour Magnum. Ça signifiait que Magnum avait changé. But I also think and would maintain that I'm one of the most humanistic photographers in the agency, and that may come as a surprise. But, et je soutiens à tout craint que je suis l'un des photographes les plus humanistes de l'agence Magnum. But I think it's important when you think about the modern world to represent aspects like the consumerism, the commerciality of everything, the globalization of our world. It's important to show these as well. And I feel a duty to show these as well as understanding them, and that's why I make them part of my agenda. Je crois que c'est très important, en fait, de montrer ces aspects du monde, le consumérisme et les autres. What are the other aspects you mentioned? Consumerism. Le consumérisme. Globalism. La globalisation, la mondialisation, tous les ismes. Tourism, le tourisme. Yes. Anything with ism in. Tout mot qui contient le radical isme, donc voilà. Et que c'était très important de pouvoir le montrer. So I can, you know, exclusively reveal that I'm a humanistic photographer here tonight. Donc je peux faire cette révélation, je suis un photographe humaniste. Il y avait plusieurs choix qui étaient possibles à ce moment-là, parce que c'est le moment où tout le marché de la vente de tirages de collectionneurs a pris son essor. C'est l'époque où un certain nombre de photographes, on peut les citer clairement, Andreas Gursky, Cindy Sherman, Sophie Kahl, ont connu un essor absolument incroyable. Et on peut se poser la question, je me souviens moi-même quand j'étais embauché à Magnum, on m'a dit un des photographes, Gilles Pérez, qui fait partie de ceux qui m'ont interviewé le plus radicalement, m'a dit, penses-tu, c'est en 86, penses-tu que Nan Goldin soit une photographe faite pour Magnum ? Et donc on se posait les questions à l'époque encore de savoir si quelqu'un pouvait aller vers une agence documentaire comme Magnum ou au contraire devait faire le choix d'être sur un marché des galeries et si les deux choses étaient miscibles ou pas. La suite a montré que la plupart des photographes faisaient un choix différent et soit se positionnaient comme un produit de marketing sur le marché de la presse ou bien sur le marché des galeries, mais que tout d'un coup un fossé artificiel se créait entre les deux et qu'il n'était pas possible de passer à gué d'un côté à l'autre. Or, Martine a fait exactement le contraire. Il est venu d'un milieu d'une réflexion plutôt culturelle, distance de la photographie, avec des projets à long terme, en publiant des livres, en faisant des expositions. Il a rejoint une agence dite de presse, mais néanmoins, il a réussi à rentrer dans le monde des galeries, dans le monde des collectionneurs. Est-ce que donc tu finalement cette schizophrénie, est-ce que tu décrirais ce choix et le résultat de ces choix comme une schizophrénie ou comme quelque chose de possible? Et pourquoi penses-tu que les autres photographes pensent qu'il doit y avoir un fossé total entre le travail documentaire et le fait d'exister dans le monde de l'art? I mean, I am a very promiscuous photographer. I very much enjoy
the idea of being someone who can do advertising, someone who can do fashion, someone who can have a role in the art market and at the same time be in a more traditional agency like Magnum and doing even editorial assignments. Moi, je suis très en faveur de la promiscuité. Je pense qu'on peut être à la fois, et je suis à la fois, photographe de mode, photographe d'information, et également être dans le monde de l'art. One of the exciting things that's happened about photography in the last 20 to 30 years is that these definitions of what these types of work are starting to, you know, disappear, if you like. So you can, if you like, go between these things indeed in the way that I've sort of tried to do myself. And I'm very excited by that. Ce qui est intéressant, c'est au cours des dernières décennies, 20-30 ans, toutes ces distinctions entre ces différents genres ont tendance à s'estomper et qu'on peut passer de l'un à l'autre, et c'est ce que je fais. And of course now selling prints is probably my main income, and it's interesting because 20 years ago that could not be the case because there wasn't a developed print market. But one of the great things that's happened in this time is that the art market, if you like, has decided that photography is our friend after all. So, you know, here we are in the Pompidou, the great cathedral of art in France, talking about photography without even anyone thinking this is an issue. En fait, en ce moment, la vente de tirages, c'est une de mes sources de revenus principaux. Et je crois qu'il y a 20 ans ou 10 ans, ce n'était pas possible, tout simplement parce que le monde de l'art ne considérait pas la photographie comme faisant partie de ce monde-là. Et nous voici maintenant aujourd'hui à Pompidou, cathédrale de l'art, et personne ne semble croire que c'est un problème, que ça pose un problème, que la photographie soit un problème. Alors on va changer de sujet et parler des moyens techniques. Moi, une de mes grandes surprises, c'est toujours quand les photographes se retrouvent entre eux, ils ne parlent pas nécessairement de photographie, ils ne parlent pas nécessairement du monde et des sociétés ou des sujets ou des projets qu'ils ont, mais ils parlent très rapidement de matériel, ils parlent de matos. Ils aiment parler d'appareils, et la qualité des objectifs, la qualité des appareils, la qualité des films à l'époque, des tirages aujourd'hui, etc. Chez Martine Parr, les gens qui survolent son travail ont souvent l'impression qu'il y a une esthétique chez Martine Parr. Or, en fait, si on regarde ses livres rétrospectifs, on s'aperçoit que The Last Resort, au travail le plus récent, on va beaucoup vers le détail, on va beaucoup vers le symbolique, et que les moyens techniques qui ont permis de faire cette évolution ont également évolué. Martine utilise entre autres de temps en temps dans certains de ses projets un flash annulaire qui est quelque chose je crois qui vient du milieu médical au départ. Donc je voudrais que Martine nous parle un petit peu de ces nécessités d'accompagner de changements techniques, de format, de lumière et comment est-ce que d'un projet à l'autre il va choisir une option technique différente. Et je passerai pour illustrer ça un des premiers projets où il a changé de matériel aussi, qui étaient les Japonais qui font des trajets immenses en train pour aller travailler et rentrer chez eux, et où il avait décidé de symboliser ça par le fait qu'il dormait dans le métro. It's in 1995 that I decided to buy this combination of a ring flash and a macro lens, which, as you say, is usually associated with medical photography. C'est en 95 que j'ai fait ce choix d'acheter ce flash circulaire avec une lentille macro qui est principalement utilisée dans le monde médical. And in fact, the very first project I did with this was something about British food, because British food is a great subject. It's full of prejudice, full of bias. It looks bad, but it's also very modern at the same time, because we have had a great renaissance in food in Britain. Bon, et le premier projet que j'ai mené avec cet équipement, ce matériel, c'était de faire un projet sur la nourriture britannique, parce qu'on a beaucoup de préjugés, beaucoup de choses sur la nourriture britannique, et en fait, il y a eu une renaissance dans la nourriture britannique, et je voulais travailler là-dessus. And then I did this series about Japanese commuters, and this is a typology. This is where you take the same idea and you re-photograph it. This is almost like a conceptual approach within documentary, which is something I often try and apply. And I very much like this as a way of solving problems, illustrating ideas. So that was a good example of a typology used with this close-up combination. Et en fait, après, le second projet, c'était celui des gens qui prenaient le métro, qui voyageaient à grande distance, des banlieusards, donc japonais, en utilisant le même concept d'approche. Et voilà un exemple de réutilisation d'une typologie qui résout beaucoup de problèmes, finalement. Et tu continues à modifier ton matériel en fonction des projets, ou est-ce que désormais c'est le type de matériel définitif? I mean, when I was using film, before the onset of
reasonable digital, I would have two cameras, the macro lens with the 50mm, which is on 35mm, and then the 6x7, which is what I shot the Last Resort and many of those other projects, the tourism project. So I would move between those two. En fait, j'utilisais deux types de matériel au début du numérique. J'utilisais le 35 mm et pour le numérique, et puis j'utilisais aussi le je crois que c'est le format 120 6x7 et pour avec lequel c'est un format plus un moyen format avec lequel j'ai filmé Last Resort. Ouais, il y a toujours une petite page technique quand on parle de photos, si on nous le poserait la question. Je voudrais passer à une autre question qui, nous sommes quelques fans de Martin Parr, vous l'aurez compris, mais de temps en temps, on a un peu l'impression que Martin Parr fait du Martin Parr. Quelle est la limite? Par exemple, lorsqu'on voit ce recueil dont la photo là, ne montre pas qu'en plus il y a les petits onglets de l'annuaire téléphonique, mais où donc tu as recueilli les différentes, au début du téléphone portable, les différentes photos que tu avais pu prendre à droite, à gauche, sur des personnes avec leur téléphone mobile. Est-ce que là, ce n'est pas un sujet en soi, mais ça devient tout d'un coup une compilation? Alors, quelle est la part du produit Martin Parr et du politique Martin Parr? The policy of Martin Parr is to try and think of interesting projects. Well, this is another typology. This is very much to do with this notion of taking a simple idea and photographing it all around the world. This is part of a globalization, if you like, set of my work. Si vous voulez, c'est une partie de la mondialisation de mon travail. C'est de prendre une idée simple et de la photographier à travers le monde. Where you take a basic concept and you apply it throughout the world. And that's an approach that I've often used. I've done other projects around parking spaces, mobile phones, tourism, where I've been very international. En fait, voilà, c'est l'idée qui consiste à prendre quelque chose de fondamental, de basique, et de l'appliquer à travers le monde. Et je l'ai fait sur les téléphones mobiles, je l'ai fait sur les places de parking, etc. And I like the fact that these phones now look so ancient. You know, they were done over 10 years ago, and they look really ancient. And I'm very much like the ephemeral side of photography. I like the fact that it records things that come and go. Many people only take photographs of things apart from their own family that don't change, like sunsets and churches. So I'm very much in favor of photographing things that are constantly changing. That's if you like, a documentary responsibility that I have. En fait, j'aime bien cette idée. Je regarde ces téléphones qui datent d'il y a une dizaine d'années, qui semblent tellement vieux, des antiquités. J'aime bien photographier les choses qui changent. Certaines personnes choisissent de ne faire que des photos de coucher de soleil ou d'église, des choses qui ne changent jamais, ou de prendre des photos de leur famille. Moi, je prends des photos de choses qui évoluent dans le temps et qui changent. Et c'est cet aspect documentaire qui me plaît. Alors, on a parlé du matériel et je voudrais parler aussi du matériel d'exposition. Martin Parr a été un des premiers photographes à s'emparer du tirage digital qui était de qualité assez mauvaise au début. Mais a décidé, et à l'époque c'était à la galerie Agnès B qui te représentait à Paris, avait décidé de faire une exposition uniquement en montrant des tirages digitaux, des tirages faits sur son imprimante de bureau et en punaisant les photographies au mur. D'ailleurs, il vient de refaire 15 ans après, tout le festival de Brighton était accroché de cette façon-là. Et puis après, Martine a fait un projet. Alors, j'ai un peu cafouillé là dans la projection des diapositives. Ça aurait dû arriver à ce moment-là, mais ça arrivera plus tard. Mais un projet qui s'appelle Sign of the Times, signe des temps, qui était sur l'intérieur des Anglais. Vous avez pour la plupart en mémoire ces photographies, ce qui censait montrer le goût dans la décoration de l'intérieur du Home Sweet Home. Et où il était retenu, puisque c'était fait en même temps qu'une émission de la BBC qui enregistrait le commentaire des gens sur la décoration de leur domicile, il était retenu une phrase qui était extraite de l'interview. Et ce que vous ne savez sans doute pas, c'est qu'avant d'être un livre, Sign of the Times était une campagne d'affiches dans tout Londres qui était absolument anonyme. C'est-à-dire qu'il y avait la photographie de l'intérieur anglais, donc un rideau rose qui pendait, ramassé par des ficelles, du papier dans les toilettes avec un motif de dessin intéressant imprimé dessus, etc. Et le commentaire en dessous de la personne qui avait décoré son intérieur. Et ça a été mis dans tout Londres sur des affiches type format Decaux,
un moment où l'Angleterre se tâtait pour entrer dans l'Europe, ne pas rentrer dans l'Europe. Et ça a été un scandale absolument gigantesque. Les Anglais disant, mais pourquoi se moque-t-on de nous-mêmes? Pourquoi on se tourne en dérision comme ça? Qui est ce photographe? Et puis la série, le film de Simon Barker, Nick Barker, qui a été réalisé et diffusé au même moment à la BBC. On a rajouté une couche, évidemment. D'ailleurs, les deux ont été diffusés à plusieurs reprises. Les affiches sont ensuite descendues dans le métro et le film a été rediffusé. Et puis après, Martin a fait un autre projet sur la M1. La M1, c'est l'équivalent de notre National 7. C'est l'autoroute qui va de Londres au nord de l'Angleterre, qui va même jusqu'à l'Écosse. Et qui est donc cette artère principale qui traverse toute l'Angleterre. Et il a exposé sur la M1 un projet qu'il avait fait sur les Anglais et leurs voitures. Là encore, comme le téléphone portable, de façon tout à fait redondante, il a photographié plein d'Anglais dans leur rapport avec leur voiture, le nez dans le moteur ou au volant, etc. etc. Mais enfin, l'amour de la voiture qu'on peut avoir les Anglais. Et il l'a exposé dans toutes les cafétérias de la M1, là où on va prendre son café avant de s'endormir, oui, et sur des petits chevalets qui sont à côté du menu, comme ça, exposés à côté des menus qu'il y avait dans les bars, pour savoir si on prend un burger, et à côté, il y avait son exposition de photographie. À Paris, lors d'une série de photos qui s'appelle Flowers, je crois me souvenir, Martine Parr a recouvert l'immeuble de la banque ABN Amro dans le 8e arrondissement avec des autocollants avec des fleurs, ce qui fait que l'immeuble était une gigantesque addition de cartes postales de fleurs, comme les Anglais adorent faire un flower show, une sorte de fête des fleurs dans les églises, etc. Donc il y a chez Martin une vraie volonté d'explorer des champs comme ça d'exposition, de démonstration photographique qui vont au-delà, là encore, qui transgressent le fameux cadre qui a servi à faire reconnaître la photographie dans les cathédrales, comme dirait Martin, comme Beaubourg. Est-ce que tu as toujours cette impertinence ou est-ce que tu es devenu maintenant un photographe tout à fait raisonnable, respecté et qui ne met ses photographies que dans des cadres? I think it's very important to try and play with the way which you present photographs. So I'm Je very crois qu'il est très important de pouvoir jouer avec la façon dont on présente les photos. So I'm very interested in the idea of getting the exhibition or the photographs beyond just the gallery. Donc je suis très intéressé à ce que les photos soient montrées ailleurs que dans les galeries. So this is very much an important part of my motivation, if you like. C'est une partie importante de ma motivation. You talked about the signs of the times where we did do the exhibitions in motorway service stations. Vous avez parlé de ces expositions qui avaient été faites dans les cafettes sur l'autoroute. And then last winter I did, for example, a commission on working men's clubs, and we made the exhibition in a working men's club. We again pinned it up with magnets and with no frames. Et en fait, j'ai eu une commande pour faire une série de photos sur les clubs de travailleurs, et on a fait effectivement les expositions en c'est même pas épinglé, on a mis avec des petits aimants les photos sur les murs. And indeed, with the Brighton Photo Biennale, which was last October, we made the festival the first frame-free festival in the world, where we had no frames whatsoever. And we printed the whole thing. Hewlett-Packard sponsored it. We had two HP machines running, printing the whole festival, and we pinned it on the walls with magnets. And it gave it a real sense of spontaneity and vibrancy, which I think, if you have a traditional frame festival, forgive me, François here, may not have. I hope we're not that traditional. En fait, à la dernière biennale de Brighton en octobre dernier, on a fait toute une exposition sans cadre et on a travaillé grâce à... On a travaillé, scandale. C'est parce que j'allais dire le nom du sponsor. Et on a travaillé grâce, on a été mécéné par Hewlett-Packard qui a mis à la disposition deux imprimantes. On a imprimé à tout va et on a mis sur les cimaises, on a mis sur les murs les photos simplement avec des petits aimants. Et ça donne un sentiment de liberté, de quelque chose de vibrant, de plus proche. Donc une chose menant à l'autre, il s'agit maintenant de parler d'autre chose un petit moment que de ta photographie, mais de tes collections d'objets, de photographies. Je voudrais vous raconter une anecdote puisque... là encore, j'ai eu la chance de connaître Martin quand il commençait à accumuler toutes sortes d'objets.
Et c'était la période où il préparait son programme pour Arles, puisqu'il a été directeur artistique des rencontres, et il a invité une vingtaine de photographes à exposer à Arles. Et Martin donc venait régulièrement au bureau pour des sessions de travail, et très gentiment, toute l'équipe, dès qu'on trouvait un plateau, quelque part dans un café, un restaurant, une poubelle, un plateau avec une photo imprimée dessus, on la mettait de côté en se disant « ça plaira qu'à Martin, mais lui, ça va lui plaire ». Et un jour, Martin, avec une vitesse absolument stupéfiante, arrive au bureau, on lui sort très fier notre pile de plateaux, et il en met deux à la poubelle, il en met un sur la table, deux à la poubelle, un sur la table, deux à la poubelle, trois à la poubelle, quatre à la poubelle. Il en garde peut-être trois ou quatre comme étant les plus intéressants. Je dois dire que, encore aujourd'hui, je m'interroge sur la raison de ceux qui sont à la poubelle, mais ce que je peux vous dire, c'est que toute l'équipe a récupéré ceux qui étaient à la poubelle. Mais entre-temps, la collection a augmenté, et ceux qui ont eu la chance de voir au Jeu de Paume la magnifique exposition qui était faite, d'un coup, je perds le fil, c'était il y a 18 mois ou en juin dernier, je ne me souviens plus. Saint-Valentin. Et on voyait donc toutes sortes d'objets qui reproduisent des photos. Alors, est-ce là encore, c'est une provocation par rapport à nos pères qui se sont battus pour faire reconnaître la photographie autrement, ou tu trouves un réel intérêt, et quels sont tes critères de choix par rapport à la multitude d'objets qui réunissent des photographies imprimées? Well, I think of, first off, I'd like to say, I think of the whole process of photographing as being a form of collecting. Bien, tout d'abord, je voudrais dire quelque chose, c'est que le processus de la photographie, c'est une forme de collection en soi. We go out into the world, we're confronted by the modern world, it's a very complicated thing, and we have to try and make sense of it, and we do this by collecting photographs, and nous allons making vers them into books and exhibitions, and disseminating them. Nous allons vers le monde, nous essayons de lui donner un sens. Nous prenons des photographies, nous les collectionnons, nous les ordonnons, et voilà, nous essayons de donner un sens. My interest in collecting started, in fact, with Mrs. Thatcher. Go back one, François. And I hated Mrs. Thatcher, and I couldn't believe that anyone would actually go out and spend money on a plate or a mug with her picture on. You stole it? No. J'ai commencé ma collection, en fait, avec Madame Thatcher, parce que je ne pouvais pas croire que qui que ce soit allait dépenser de l'argent pour avoir une tasse ou une sous-tasse ou une assiette avec la photo de Margaret Thatcher. Moi, je la haïssais. So rather perversely, I started collecting Thatcher memorabilia because even though I hated her, I knew she was an important prime minister. Et donc, j'ai commencé de façon un peu perverse à collectionner des objets avec Madame Thatcher parce que même si moi je l'aimais pas, j'étais conscient que c'était une époque très importante. And you can see here examples of Bin Laden, Saddam Hussein, space memorabilia. They're all, if you like, quite political initially, and when the things have faded and gone, there's a sort of strange shadow of their reality that is left, and it's that intrigue that really excites me, because these people have their great moments and then they disappear. Here's Mao, long since dead. Voilà, par exemple, il y a des choses à collectionner avec les effigies de Ben Laden, de Saddam Hussein. Et c'est étrange parce qu'une fois que ces gens ont disparu, là par exemple Mao est mort, une fois que ces gens ont disparu, il reste une ombre de ce qu'ils ont été. And of course, when you put all these objects together, they suddenly make sense. Et soudain, lorsqu'on réunit tous ces objets, ils prennent un sens. So that's why very much part of what I do is collecting objects, books, and indeed images that I take. They're all connected very intricately. C'est pour ça que je collectionne des objets, des images, des livres, les photos que je prends. Tout ça est relié. C'est les uns aux autres sont reliés. Ça a un sens. Vous aurez remarqué qu'il y avait même une photo de Jésus-Christ. Yeah, but when you see a picture of Jesus Christ on a watch, it's rather strange. Ben, quand vous voyez une photo de Jésus-Christ sur une montre, c'est plutôt étrange. And almost counter to Mrs. Thatcher, these are the miners' strike, because that happened in 84-85, and it was really, if you like, the battle of the right and the left in Britain in that decade. Remember the decade that became very important in terms of documentary? Voilà, ça, ce sont des choses de collection de l'époque où il y avait ces luttes entre la gauche et la droite très, très fortes.
So, dans les années 90, each of the mining pits used to produce their own plates, and these were sold to raise money for the miners, and that's what I collected. Et pendant les grandes grèves des mineurs, chaque puits de mine produisait ses propres choses à collectionner, et l'argent était pris pour pouvoir soutenir les grèves, et je les ai achetés. And I apologize for not taking all of the trays from your team in Arles. If I could go back now, I'd take them all. Et je suis désolé d'avoir jeté à la poubelle certains des plateaux de votre équipe. Et si je pouvais, je retournerais maintenant, je les prendrais tous. Notre point de vue politique ne devait pas être le bon. Est-ce que je peux demander pardon? You're forgiven. Thank you. And ever loved. Alors, il y a une autre collection extrêmement importante qui a beaucoup marqué, et je crois qu'il y a même sans doute, on le voit chez les uns et les autres, créé des émules, puisque maintenant tout le monde va tenter d'épuiser les collections de cartes postales qu'on trouve à droite et à gauche. Mais c'est aussi Martin Parr qui tout d'un coup a inventé cette collection des boring postcards. Il aura d'ailleurs réuni sous un livre autre chose de boring, d'autre chose d'ennuyeux, c'est le Bored Couple. Il a fait une fois un livre avec les couples qui s'ennuient aussi. Et là encore, il s'était mis, lui, avec sa femme Suzy dans les photos, pour être sûr qu'on comprenne bien qu'il est un middle class photographeur qui s'ennuie comme tout le monde dans sa vie de couple. Mais la notion de ce qui est ennuyeux, et là encore, je dirais, est-ce qu'il y a là une certaine arrogance dans le choix de ce qui est ennuyeux et de ce qui ne l'est pas, est une notion qui est très importante pour Martin. De quel point de vue est-ce qu'on s'autorise à dire qu'une chose est ennuyeuse, Martin? Well, it's interesting because the most successful book I've ever published has been the boring postcard one. Eh bien, c'est très intéressant parce que la chose que j'ai éditée, que j'ai publiée, qui était la mieux vendue, c'était les boring postcards. Now, if I had called the book "Interesting Postcards," no one would have bought it. Et si j'avais appelé ce livre les cartes postales intéressantes, personne l'aurait acheté. And the whole idea of this is really again to show the notions of the modern world, the new utopia being built after the Second World War, with shopping centers, motorways. Le but, c'était de montrer toutes ces nouvelles choses qui ont été construites après la Seconde Guerre mondiale, les centres commerciaux, les autoroutes. So when these things were first built, people were very excited by them and they made postcards. But 30 to 40 years later, the postcards looked rather sad. Et en fait, quand ces choses-là sont apparues, les gens étaient très contents, très enthousiasmés. Ils en ont fait des cartes postales, mais 30, 40 années plus tard, ces cartes postales sont très tristes. So I think they're fascinating, but of course they are technically boring, and that's really why that project went along, and that's why it was called Boring Postcards. Et en fait, c'est très intéressant, mais ces cartes postales sont devenues très ennuyeuses, et le projet a pris place à ce moment-là. C'est pour ça que je l'ai appelé les cartes postales ennuyeuses. Alors, parmi les cartes postales que tu collectionnes, il y a toute la collection de John Hind, qui donc était le photographe d'un club de vacances. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu l'assimiles également à des cartes postales ennuyeuses, toute la collection de photos de John Hind qui vont arriver dans un instant? Je n'ai pas appris. On reste dans les boring postcards. Attendez. Is this John Hind already? No, these are John. You've had John Hind. If you go back. Yeah. Pardon. Où est-ce qu'il est? The white strip underneath. That means it's John Hind. That's John. Okay. Pardon. So, est-ce que John Hind également un photographe ennuyeux? No, John Hind was a very commercial photographer who created this whole postcard look in the late 50s, 60s, and 70s, which became quite unique. Non, c'est un photographe qui a créé ce genre de cartes postales dans les années 50, 60, et qui sont devenues très, très ennuyeuses. For example, on this picture of Dublin Airport, because he, although he was English, he set up his factory in Ireland because he got some tax breaks there. Et bien qu'il soit britannique, il s'est installé en Irlande parce qu'il a eu des réductions d'impôts là-bas. Ça, c'est un aéroport, d'aéroport. This is shot by 5.4 Transparency, and we can see in the original Transparency there's a man holding the bush on the top yellow bush on the left. Et voilà, it's literally being held up, it's not there at all. Ça a été photographié en moyen format, par Transparence aussi, et là on peut voir qu'il y a quelqu'un qui tient, un assistant qui tient le petit bosquet là, parce que ça fait pas partie de la photo. So they're all very stage managed, in fact it's very much like Crewdson doing it 30 years earlier. Every picture is stage managed, so nothing's new, everything's been done before.
Donc en fait, tout est mis en scène, et c'est comme ça a été fait il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années par un autre photographe. Rien, il n'y a rien de neuf, tout est mis en scène. C'est une shame we don't have Butlins in here, François. We don't have it. No. No, sorry, yeah. Alors, on passe là à un moment très important des collections de Martin Parr. Martin Parr, du fait de ses voyages nombreux, à la fois pour la presse, pour ses projets personnels, pour la publicité, voyage énormément et a collectionné énormément de livres qui, là encore, pour des critères qui sont parfois inattendus, font partie pour lui d'une très vaste histoire de la photographie. Et il a voulu raconter cette histoire de la photographie, donc 170 ans, à travers des livres qui lui paraissaient importants. Dans ces livres, il y a des livres de photographes très célèbres, et puis il y a des livres qui simplement font partie de choses qu'il a pu trouver, qui ont été des éditions, notamment dans la période soviétique en Russie ou en Chine. Et donc j'aimerais bien comprendre ces deux bouquins, je vous les recommande absolument, c'est absolument passionnant. Ça a été écrit avec un auteur qui s'appelle Jerry Badger. La pertinence des textes qui accompagnent la présentation de chaque livre est formidable. Et chaque livre est montré avec plusieurs doubles pages pour qu'on comprenne bien la maquette du livre. Il ne s'agit pas de sortir des photos des maquettes, mais de montrer le livre, sa couverture et ses maquettes. C'est extrêmement intelligemment fait et bien reproduit. Mais à cette occasion, je voudrais comprendre quelles sont les marges, parce qu'entre les Boring Postcards et toutes les sélections de livres qu'il y a dans ces deux albums, où commence et où s'arrête la photographie selon toi ? Well, it's interesting because the history of photography is very subjective, and I think rather inaccurate. Je crois que l'histoire de la photographie est très subjective et plutôt inexacte. And these books here, which really try to give a status to the importance of the photography book, are very much the idea of a revisionist history. Et en fait, ces livres qui tentent de donner une historiographie ou une histoire de la photographie sont des livres révisionnistes. Because the history of photography has been previously written by academics in Europe and America, and because they don't understand the importance that the book has for photographers. Et en fait, des livres ont été écrits, l'histoire de la photographie a été écrite par des universitaires en Europe et aux États-Unis, mais ces gens ne comprennent pas l'importance du livre pour la photographie. So my main education as a photographer has been come by looking at other people's books, and this, if you speak to other photographers, if there's photographers in this room here now, I'm sure they would say the same. Et en fait, mon éducation en tant que photographe est venue des livres. Je crois que si on pose la question aux photographes qui sont présents dans cette salle, leur réponse serait la même. So one of the motives of doing this pair of books is to try and give the status to the book and to try and make people understand how important it is in our history. It's absolutely the key element, much more so than exhibitions, maybe magazines. It was the central player. And that's, if you like, the motivation here, to reposition the book in our history of photography. Et en fait, si j'ai fait ça, c'est pour redonner un statut très particulier et central au livre. Le livre est beaucoup plus important que les expositions ou que les magazines. And now we are working on volume 3, which will come out in 2 years' time. Nous travaillons sur le volume 3, le tome 3, qui sera publié dans 2 ans. And I'm also working on a book about the history of Latin American photo books, which will be published in autumn this year, with an exhibition in Laval, here in Paris. Il travaille également sur un livre des livres d'Amérique latine qui va sortir à l'automne cet hiver et qui sera exposé au BAL. Nouveau lieu d'exposition des photographies du réel, dans le nord de Paris. And I think our book about Latin American photo books will make people completely re-examine the history of this continent and their contribution to photography. So it's very exciting, if you like, to be on researching this and understanding this and trying to make a contribution about the importance of books in these territories back into the system, if you like. Et je crois que ce livre va jeter une lumière nouvelle sur tous les photographes de cette région, de l'Amérique latine, et c'est effectivement donc très très intéressant, ça va être un tournant dans la façon dont nous voyons l'histoire de la photographie dans cette région. Et le suivant sera sur la Chine, c'est ça ? Oh yes, so the one I'm also working on now is a history of the photographic book in China. Not only books published in China, but also books done about China by foreign photographers. Oui, effectivement, je travaille sur la Chine, pas seulement sur la photographie qui a été faite en Chine par les Chinois, mais sur les travaux photographiques faits par les autres au sujet
ou ayant comme sujet la Chine. So I'm working very closely with a photographer called Ruben Lundgren from Wassing Lundgren, and he lives in Beijing. He can manipulate the internet with Mandarin and buy books on the net. He's researching it, finding people, and we're slowly putting together a dossier, if you like, of a different history of Chinese photography through the book. Je travaille avec Monsieur Lundgren, qui est installé photographe, qui est installé à Pékin, et lui est parfaitement à l'aise avec l'utilisation de l'internet en mandarin et peut donc faire la recherche et l'achat de livres. Et nous allons donc travailler sur ce sujet. Nous travaillons sur ce sujet. And what's interesting about this, if you go to China, the photographers there don't really appreciate the amazing books that were done during the communist era in the 50s and the 60s, because they're so keen to draw away from that. But when you see the remarkable books, particularly published in 1959, they are quite fantastic. And it's incredible to find these books, locate them, and see the incredible production values, not dissimilar to the Russian books also done in the 30s. They're all propaganda, but they're extremely exciting. Et en fait, quand on va en Chine aujourd'hui, les photographes actuels en Chine font tout ce qu'ils peuvent pour se distancer de ces livres qui ont été publiés pendant l'époque communiste dans les années 50. Mais par exemple, il y a un bouquin qui a été publié en 59 qui est extraordinairement important, qui ressemblerait un petit peu, si vous voulez, dans ces livres de propagande qui ont été publiés en Union soviétique dans les années 30. Mais ce sont des livres qui sont extrêmement importants pour comprendre la photographie chinoise. And of course, we will combine that with the Renaissance in photography, which of course you showed so well in Arles in 2005 or 3, I can't remember now. 3, yes. And five, yes. So it's a combination of these two things put together. And of course, as you know, many photographers from the West and from Japan have been to China and done very interesting work. So putting all these things together, I think will produce a very interesting volume. Et vous avez vous-même montré la photographie chinoise à Arles en 2005. À peu près. 2003. En 2003, thank you. Et donc tout cela va être mis ensemble dans ce travail. Il y a eu beaucoup de photographes de l'extérieur de la Chine qui sont allés en Chine, de Japonais, d'Européens qui sont allés en Chine, qui ont fait énormément de photos. Et nous allons travailler donc sur ce corpus pour produire ce volume. Bon, là, je vais faire un test en public, je vais peut-être me rater complètement, mais on a toujours un plaisir fou à surprendre Martin, vous l'avez compris, avec les plateaux illustrés, ou lui fournir des livres pour ses différents bouquins. Donc, on échangeait hier à travers le mail sur un livre, et je lui ai amené, j'espère que c'est le bon. Martin, is this the right one? Oh yes, that's very good. Brilliant, yeah. Voilà, donc voilà un livre qui devrait être normalement dans le prochain livre sur la Chine. Et que Martin trouvait particulièrement intéressant, mais je n'étais pas sûr que la description soit la bonne, donc je l'ai trouvé dans ma bibliothèque hier. Je vais poser encore deux questions à Martin, puis après je vous passe la parole. Un des projets les plus récents de Martin Parr, c'est ce projet qui terminait l'exposition au Jeu de Paume il y a donc un an et demi, qui a été présenté à Arles simultanément. Sur le luxe, qui est un projet qui avait commencé en partie à propos d'une commande au moment de la foire de Bâle, la foire d'art de Bâle. Et puis finalement, c'est énormément développé, puisque Martin a beaucoup travaillé sur cette idée du luxe sur plusieurs années et en a fait un recueil et donc une exposition qui, vous voyez, ne trahit pas le style de Martin Parr. Il y a toujours des taches quelque part. Et. Mais est-ce que ça veut dire que Martin, en partant du last resort et en arrivant au luxe, est-ce que ça veut dire que tu as quitté toi-même ta condition de middle class photographer et tu es devenu a luxury photographer? I mean, I am very democratic in who and what I photograph. So last week I was in St. Moritz photographing the wealthy again, even though the book is already finished. En fait, je suis très démocratique dans mon approche des gens que je photographie. La dernière fois, j'étais à Saint-Maurice, j'ai photographié des gens dans le luxe, bien que le livre soit déjà terminé. They all come for the annual polo match on ice on the frozen lake of Saint-Maurice. Ils viennent tous pour le match de polo sur le lac gelé de Saint-Maurice. But also last summer, I was photographing on the beaches of China, where you have the new emerging working classes out on the beach having a great time. So, in fact, many of the themes that I've explored, I continue to photograph as I go on. I can't let go of them. They're things that really preoccupy me. So I'm always coming back to the same subjects. Et en fait, l'été dernier, j'étais en Chine sur les plages pour photographier les nouvelles classes moyennes qui arrivaient à
les classes populaires plutôt qui arrivaient au loisir. Mais je reviens toujours à mes thèmes favoris, parce que je ne les lâche pas, je ne les lâche jamais. Alors entre Saint-Moritz et la Chine, je viens d'apprendre que tu étais sur un projet beaucoup plus proche de nous, puisque et assez inattendu pour toi, donc j'aimerais que tu nous en parles, puisque je crois qu'on t'a commandé pour un institut culturel du côté du 18e de Barbès, un travail sur le quartier et sur la communauté musulmane de Paris, tout autour de Barbès. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce que l'on attend de toi par rapport à ce sujet aussi délicat? Yes, I was invited by the director of the Islam Cultural Center here in Paris, and she came to visit me in Bristol, and we sat down, and she said, I'd like you to come and take some photographs in the 18th, in the Goutte d'Or. What's it called? Goutte d'Or. I can't pronounce it. En fait, c'est vrai. Goutte. Yes. And, la directrice du centre culturel musulman de Paris est venue me voir à Bristol. Elle m'a dit, j'aimerais que vous veniez faire un projet ici à Paris, dans le 18e arrondissement, autour du quartier de la Goutte d'Or. So I did this work about 2 weeks ago and had a very interesting and sometimes frustrating week photographing in this area, because here in France, of course, you have to have clearance of everything. You have to have sign releases. It's the most difficult country in the world to photograph in. And, probably within France, the most difficult area to photograph in is the 18th. So it's as hard as it got. But because I had the contacts, the introductions, it became, you know, very interesting and positive process. En fait, je viens de passer, il y a 2 semaines, j'ai photographié pendant 1 semaine ce quartier, et ça a été l'expérience la plus intéressante, la plus frustrante à la fois, parce que la France est un pays où il est extrêmement difficile de prendre des photos, et le 18e arrondissement encore plus, parce qu'il faut avoir des autorisations écrites et tamponnées pour toute chose. Et là, heureusement, bon, j'avais le soutien de la communauté, enfin des gens du centre culturel, et ça a pu se passer correctement. And we will do an exhibition in early April of this work, a small exhibition in the center. Et il y aura donc une exposition dans ce centre culturel en avril prochain. Donc à la Goutte d'Or. Oui. Merci. On est très impatients de voir. On va passer aux questions de la salle. Alors, je sais pas comment, je connais pas la règle du jeu. Je crois qu'il y a un micro qui se présente devant vous, sans doute. Voilà. Donc, j'imagine que si vous levez la main, le micro doit pouvoir vous rejoindre. Si on vous arrive, voilà. Alors, il y a des questions tout en haut. C'est ça? Ou vous disiez bonjour, ou c'était une question en haut? Gardez votre main levée. Non, c'était bonjour. D'accord. Hi. Just to ask you about the curating side of things, seeing that you like the curating aspect of photography so much these days, making books, exhibitions, etc., I wanted to know what motivates you to keep shooting every day. Vous avez l'air d'être très intéressé par le fait d'être commissaire aux expositions, mais qu'est-ce qui vous fait photographier encore? I don't shoot every day. I mean, this week I'm not shooting a single picture, well, as last week I was shooting every day. So you have shooting weeks and you have non-shooting weeks. Je ne fais pas de photographie tous les jours. Cette semaine, je ne fais rien. La semaine dernière, j'ai fait des photos tous les jours. Donc, il y a des semaines avec et des semaines sans. But in terms of the curating, I mean, I have to say that I'm very privileged to have a platform. And all credit to François, who is the first person to ask me to do a major curating when he invited me in 2004 to become the artistic director for the festival. So that was a fantastic opportunity. And it was really, if you like, down to you that I had this opportunity, which is then turned into other opportunities. Et en fait, je suis très heureux d'avoir cette occasion et cette plateforme qui m'est donnée quand je suis commissaire d'exposition, et tu as été le premier à me la donner en 2004. Et ça me donne des occasions de faire des choses complètement différentes. D'autres questions? Alors allons-y. Oui, ici, devant, il y a une question au deuxième rang, au troisième rang. Le micro arrive, il est par là. Le micro passe de jardin à cour. Et voilà. Vous avez donc réalisé 2 ouvrages sur les livres de photographie. Quels sont les livres de photographie qui vous ont donné envie de faire de la photographie? Yeah, well, yes. Now, I think discovering remarkable books that were published in Japan
from the 60s and 70s was the thing that made me realize how inaccurate our history of photography was. Je crois que c'est la découverte des livres de photographie au Japon qui m'a fait me rendre compte à quel point les ouvrages de photographie, de l'histoire de la photographie, étaient inexacts. So this period of photography in Japan was quite remarkable, and the book was the thing. They weren't able to have exhibitions, so they put all their energies into producing books. And here in the West, we had arrogantly decided to ignore this whole movement, and we did so at our peril. Eh bien, ce qui s'est passé au Japon, c'est qu'il n'y avait pas de lieu pour exposer, il n'était pas possible d'exposer la photographie, donc ils ont publié des livres de photographie. Et nous, en Occident, de façon très très arrogante, nous avons décidé d'ignorer toute cette façon de faire à nos risques et périls. So part of my motivation in doing these book projects is the anger that I feel that our researchers and curators aren't doing enough work to try and discover things on our behalf. So it's really, if you like, if I don't do it, it may not get done. And that's, in a sense, the same I apply to photography. When I'm thinking of a project, I'm saying to myself, if I don't photograph this, it may not be done. I think it's important, therefore I'm going to go out and do it. Je pense qu'il y a des tas de choses que les conservateurs et les commissaires aux expositions n'ont pas fait, et je me dis que si je ne le fais pas moi, personne d'autre ne le fera. Même chose pour la photographie. Il y a des choses que je vois, et si je ne les prends pas moi en photo, je me dis que personne d'autre ne le fera. Je me suis mal exprimé. Dans mon idée, c'était quels sont les livres de photographes, quelles sont les œuvres de photographes, les livres de photographes qui vous ont intéressé. Est-ce que ce sont des photographes anglais? Est-ce que ce sont des photographes d'autres pays? Et des noms. Yes, for sure. No, I mean, I guess the first photographic book I ever bought was The Americans by Robert Frank. Le premier livre de photographie que j'ai acheté, c'est celui de Robert Frank sur les photographes américains. And then, of course, Winogrand, Friedlander. You know, because if you're in Britain, it was much easier to plug into that new American photography from the 70s than it was anything else. Parce que si vous habitiez au Royaume-Uni, c'était beaucoup plus facile dans les années 70 de vous brancher sur la photographie américaine, Friedlander et autres. And then later there was the influence of other people like Tony Ray Jones, the British photographer. But I knew his work before I saw his first book. So his influence was about the work more than the book itself. Et en fait, après, je me suis rendu compte de l'influence que j'ai eue de photographes britanniques, mais je connaissais son travail avant de voir ses livres. Oui, bonsoir. Je voulais savoir quel était le rapport que vous avez avec les gens que vous photographiez. Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils se laissent facilement photographier? Quel est le rapport que vous avez avec les gens que vous photographiez? I mean, sometimes you have a relationship with people, and sometimes, say, if you're at a tourist resort or somewhere like that, you don't need to engage with people directly. Parfois, vous avez des relations avec les gens que vous photographiez. D'autres fois, quand vous êtes dans un lieu touristique, il n'y a pas de nécessité d'avoir de rapport ou de relations avec les gens. But I'm doing a whole series of work in what we call the Black Country in Britain. It's an area near Birmingham. It's the big Midlands. It's the old industrial area. And here, because I'm working with a community arts organization, I get very involved with the people. And in fact, I'm now going to start making films about the people in this area as well. And one of the reasons why I make films is because you get the dialogue, the banter, and the pleasures of that, of the day-to-day dialogue that you get with the people that you're photographing. En fait, pour l'instant, je suis en train de mener un projet dans ce qu'on appelle le Black Country, autour de Birmingham, le pays noir. Et là, effectivement, il doit y avoir une relation avec les gens. Mais j'aime aussi faire un film, c'est-à-dire je filme, parce que là, il y a le dialogue, il y a le son. C'est le blabla quotidien, les petites choses qu'on se dit. Pour avoir vu un film qui a été fait, un documentaire sur Martine Parr en train de photographier, je peux vous dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement joyeux dans sa façon d'aller à la rencontre des gens et de les faire participer à son amusement de la façon dont il regarde le monde. Et il y a quelque chose qu'il ne peut évidemment pas vous dire lui-même, mais qui est extrêmement sympathique dans son contact et très enthousiaste. Et il arrive à engager tout de suite avec ses sujets. On n'est pas du tout dans le domaine de la photographie volée et au détriment de gens dont il utiliserait, si vous voulez, la cocasserie. Il y a un véritable échange sympathique et complice avec les gens qu'il photographie.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Martine. Donc je suis la personne qui a invité Martine Parr à la Goutte d'Or. Vous avez eu la gentillesse de mentionner ce projet, François, merci beaucoup. Je voulais juste préciser, justement, pour ceux que ça intéresse, que ça a lieu à l'Institut des cultures d'islam du 5 avril au 2 juillet prochain. C'est un institut qui est situé rue Léon, voilà, près du métro Château-Rouge, donc vous êtes les bienvenus. Et je voulais, en complément de ce qui vient d'être dit, dire que effectivement, la Goutte d'Or est un quartier qui a été beaucoup représenté, notamment dernièrement dans la presse, d'une façon assez stigmatisante, notamment à propos les... suite aux propos du Front National sur la prière dans la rue des musulmans, sur des questions de société qui sont très importantes en ce moment, et que je suis assez d'accord avec Martine Parr quand il dit qu'il était un photographe humaniste, et dans son rapport aux gens photographiés, ou alors que les gens étaient très méfiants parce qu'ils en ont assez en fait d'être tout le temps pris en photo et instrumentalisés, ils ont accueilli le photographe avec beaucoup d'empathie, il y a eu un très bel échange malgré la barrière de la langue parfois, et voilà, donc je... Donc c'est une exposition très courte, et quand vous parlez d'avril, c'est avril 2011. Oui, c'est ça, c'est du 5 avril au 2 juillet 2011, donc c'est bientôt. Merci, Véronique. Ah, so you speak French. D'autres questions? Oui, 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 allons-y, le micro monte. Oui, madame, non? Oui. Merci. Je ne parle pas trop bien, mais j'espère de pouvoir parler. Vous étiez un des premiers photographes à utiliser le tirage numérique. Aujourd'hui, c'est quel votre rapport à la photographie numérique? Et vous pensez quoi de l'image numérique? Et comment vous pensez qu'elle va changer le statut de l'image elle-même? I changed from shooting film to digital about 5 years ago, so I wasn't an early converter. Je suis passé de l'argentique au numérique il y a 5 ans, donc j'étais pas un des premiers à faire cette conversion. But I'd already printed digitally because Magnum has a very good relationship with Hewlett-Packard and they gave us a printer, and I had my office in London and we started printing and I was very happy with the results. Mais en fait, les tirages étaient faits de façon numérique parce que Hewlett-Packard nous avait donné deux imprimantes et effectivement, j'étais très très content des résultats dans nos bureaux londoniens. And of course, one of the things that I like is that within my studio, we're able to control the printing. We're not giving it to labs. They know the palette that I like for the printing. And we all. Et en fait, ce qui était bien, c'est que les tirages se faisaient à domicile, enfin sur place. On n'avait pas besoin de donner les photos à tirer dans un laboratoire. Les gens chez moi savent très bien quelle est la palette que j'aime, quelles sont les choses que je préfère. And of course, in the last 5 to 7 years, the technical ability and the pigment inks have improved dramatically. So one is able now to get as good a prints, if not better, than C prints. And you also have the added bonus that these prints will not fade because the inks are very stable. Et en fait, il y a eu une avancée spectaculaire dans la qualité des pigments, des encres, et la qualité aujourd'hui de ces tirages est quasiment meilleure que les tirages qui étaient faits sur l'argentique précédemment, et on a le bonheur de savoir que ces tirages ne vont pas disparaître avec le temps, ils ne vont pas s'effacer avec le temps. Question. Une question, oui, monsieur? Ça? Non? Attendez le micro, parce que comme voilà, c'est plus simple pour tout le monde. C'est au monsieur au troisième, quatrième rang, un pull-over vert. Côté jardin, comme on dit au théâtre. Ah, il n'est pas vert, pardon, c'est peut-être... Merci. Est-ce que vous pensez faire de la photo noir et blanc un jour? No. Je m'en doutais. Merci. Il faut quand même rappeler que Martin a commencé par faire de la photographie noir et blanc. Il y a d'ailleurs des livres qui en témoignent. Un livre sur l'Irlande et un autre livre extrême qui a été l'occasion de notre rencontre il y a très longtemps, qui s'appelle Bad Weather, mauvais temps, et qui déjà décrit le climat anglais dans
dans ses pires conditions et avec beaucoup d'ironie. Et Martin avait osé sortir ses appareils dans le vent, sous la pluie, sous la neige, dans le brouillard, et avait fait un livre qui déjà était assez cinglant, qui était un projet en noir et blanc assez remarquable, qui d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été diffusé en France ou pas, mais le non. Mais en tous les cas, il a eu une vie en noir et blanc. Y a-t-il d'autres questions? Oui, premier rang. Vous apprendrez plein de choses, excusez-moi, pendant que vous préparez votre question. Mais une fois de plus, hein, je fais de la pub sur ce bouquin, une interview qui est beaucoup mieux faite que la mienne et beaucoup moins, beaucoup plus documentée que la mienne. Dans ce livre de Quentin Bajac, qui est le conservateur en chef de la photographie à Pompidou, et où il explique notamment dans un passage que pour s'entraîner à faire de la photographie avec des amis, il faisait des joutes de Polaroid, il se donnait un thème et chacun sortait un Polaroid sur le thème et se le montrait, et qu'il y avait comme ça une sorte de partie d'échec photographique qui se montait. Enfin, il y a plein de choses. On avait évidemment fait aujourd'hui un peu du zapping pour survoler les différentes et les nombreux aspects et centres d'intérêt de Martin Parr, mais il y a encore beaucoup d'autres informations dans ce livre, et puis évidemment dans l'ensemble des livres de Martin qui sont extrêmement... How many books have you published? Combien de livres tu as publié? I think it's about 54 or something. Plus another 20 I've edited. 54 livres, je pense, j'ai publié. Et 20 dont tu as été le directeur artistique. 20 you've edited as art director. Yes, because I'm also doing a series for Nasraeli Press, who are an American publisher, where I'm doing Parr Nasraeli, 10 books. So we're just about to publish book number 6. En fait, il y a une vingtaine de livres où j'ai travaillé comme directeur artistique, directeur de collection, aux États-Unis, dans une maison d'édition. Nasraeli Press. Pardon, je vous ai coupé la parole. Moi, je me demandais, en rapport avec la question précédente, par rapport aux gens qui photographient, si les gens qui photographiaient par, donc un peu à l'improviste comme ça, donnaient leur accord sur les droits, sur l'image, comment ça se passait? This is a very French question, of course, because c'est une question très franco-française. This is a question that only really happens in France. Ça ne se produit qu'en France. Of course, it's the most difficult country in the world to photograph in, because everyone is paranoid about rights. C'est le pays où il est le plus difficile de prendre des photos, parce que tout le monde est paranoïaque sur le droit à l'image. So even if I go to, say, a French race meeting, I have to have two people following me, getting signed model releases. Et en fait, même si je vais à une course, par exemple en France, je vais avoir deux personnes qui me suivent et qui font signer les autorisations de publication. Well, as in England, for example, you can photograph anyone in a public place and do anything you like with it. You can publish it, whatever, without any feedback whatsoever from the person in that photograph. Et alors qu'au Royaume-Uni, lorsque vous êtes dans un lieu public, vous pouvez photographier qui vous voulez, ce que vous voulez, en faire ce que vous voulez, sans avoir une crainte quelconque d'avoir ces gens vous poursuivre. So that's why I live in England and show my work in France. C'est pour ça que je vis en Angleterre, que je montre mes œuvres en France. Merci. Je craignais depuis le début de la rencontre que Martin Parr me dise à moi que c'était une question très française sur toutes mes questions. Donc je suis ravi que ce soit pas tombé sur moi, désolé pour vous. Juste pour un petit flashback pour les plus jeunes d'entre vous qui ne savent pas pourquoi en France on a ce phénomène extrêmement récurrent de droit à l'image. Ça remonte à cette blague que Robert Doisneau a fait lorsque des personnes ont cru se reconnaître sur le baiser de l'hôtel de ville, et que Robert, qui était un farceur invétéré, a laissé la blague se développer, des articles se publier, sans dire que la photographie du baiser de l'hôtel de ville avait été montée totalement avec des mannequins, et qu'il savait très bien qui c'était, que les gens qui se plaignaient n'étaient pas du tout ceux sur la photo. Et du coup, plein de gens se sont reconnus, est née la question du droit à l'image, de l'éventuellement reversement de royalty aux personnes représentées, et c'est devenu un phénomène très français depuis 20 ans à cause de ça. Voilà, donc Robert Doisneau était un gros farceur, mais sa farce nous suit encore et on la subit un petit peu. Mais c'est vrai que dans les pays occidentaux, en tous les cas, on ne connaît pas ce phénomène.
Alors après, on le connaît dans certains pays où les situations sont plus compliquées, où les gens n'ont pas nécessairement envie d'être mis en scène. Mais Martine Parr, se définissant dans son travail et dans la façon dont il en parle, comme un photographe de proximité, comme quelqu'un qui photographie la société à laquelle dont il fait partie, il n'a en général, sauf en France, pas ce problème. Oui, bonjour. En fait, je prends beaucoup de plaisir à voir des photos, à regarder des photos. Je me suis toujours demandé si les photographes, et est-ce que vous prenez autant de plaisir à les faire. Est-ce que quand vous shootez, est-ce qu'il y a vraiment des photos qui vous donnent ce plaisir que nous, on peut retrouver en les regardant? For sure, I get a lot of pleasure when I'm out photographing because I'm excited by what I'm seeing, because I can think of the possibility of capturing that event or that person, that situation into a photograph and then applying it to my folio, to my work. So if you like, the excitement that you see, and I thank you for that compliment, is shared with myself. Bien sûr, et tout d'abord, je vous remercie de votre compliment. Ce plaisir est partagé, je le partage. J'ai beaucoup de plaisir à prendre des photos parce que je pense aussi immédiatement à ce que je vais pouvoir en faire, dans quel cadre ça pourra être présenté. Et j'ai beaucoup de plaisir à prendre des photos, oui. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez le sentiment que, je ne sais pas, en 20 ans, 30 ans de photographie, est-ce que votre œil a évolué? Est-ce que votre œil a trouvé sa vision? Est-ce que votre vision change encore? Est-ce qu'elle évolue encore? Est-ce que votre œil a trouvé sa voie? I guess, as you may be aware, the most difficult thing for a photographer to actually achieve is some kind of vision, some kind of way of looking and seeing that is identifiable with that photographer. Je pense que vous le savez probablement, mais la chose la plus difficile à faire pour un photographe, c'est d'arriver à une vision qui soit reconnaissable, identifiable. So I'm very lucky in so far that I have found that kind of look, if you like, and have built it up over in a career of not 20 to 30, but 40 years of taking photographs. Et donc je suis très heureux d'avoir trouvé cette voie, cette vision, et de l'avoir construite non pas en 20 à 30 ans, comme vous l'avez dit, mais en 40 ans de travail. And by doing that, you get to know a lot about photography, how it works, but you can never quite get on top of it because it's always going to surprise you. So that's really why I'm still excited by taking photographs, because some things just work and some things don't. And you can never quite exactly predict how it works. So it's the most difficult thing in the world to take a photograph, and it's also the easiest thing. And it's that fundamental contradiction that keeps me going. And I like the fact that I'm not entirely in control of how the picture looks. And it's always going to surprise me, and I love being surprised by the medium I love so much. Et en fait, on n'est jamais tout à fait maître de la photographie. On finit toujours par être surpris parfois par le résultat de ce qu'on photographie. C'est pour ça que j'aime tellement mon travail, cette surprise que ça me donne. Hi, I was wondering if you could talk a little bit about one of your latest books called Playas. I'm over here. Sorry. Playas, and which I think you got edited and printed in Mexico by someone in Mexico, and with quite excessive colors and maybe a slightly cheap look to it. I wanted to know if you could just talk a little bit about that. Je voudrais que vous disiez quelques mots d'une de vos dernières œuvres, Playas, qui a été publiée. Son dernier livre, en fait, un de ses derniers livres. Votre dernier livre, Playas, qui a été publié au Mexique, avec un côté un peu bon marché et des couleurs excessives. Never trust these interpreters. Okay. No, absolutely, because over the last 5 years before that, I'd done a series of photographs of beaches, coming back to one of my old themes on Latin America. Eh bien, encore des 4 à 5 dernières années où je suis revenu à un de mes thèmes, les plages. C'était au sujet de l'Amérique latine. And I wanted to, if you like, get a book that had the spirit of Latin America, so like a cheap junk novel. Et donc je voulais faire un bouquin qui capture un petit peu l'esprit de l'Amérique latine, d'avoir un petit peu un petit roman bon marché,
So I worked with Ramon Revert from RM Publishers in Mexico City. Donc j'ai travaillé avec Ramon Revert de RM Publishing à Mexico. And we decided to try and find a really cheap, nasty printer and a cheap, nasty designer. Donc on a tenté de trouver un imprimeur à la mort moelleuse et puis quelqu'un qui fasse aussi de la conception, le design, qui soit aussi très bon marché. So this is area in Mexico City where they make invitation cards for weddings and such like. And we took some of my photos down there and invited some designers to do some ideas. Et donc on est allé voir dans un coin de Mexico où il y a des imprimeries qui impriment des cartes d'invitation pour les mariages, et on a invité aussi un designer qui travaille là-dessus. And we looked at the designs and we chose the worst one. On a regardé le travail graphique et on a pris le pire. And then we went to some printers and we chose the worst printer. Et on est allé voir les imprimeurs, on a pris le plus mauvais aussi. And when on a le plus mauvais micro aussi. Oh yes, you've lost it. Et on est allé voir les imprimeurs et on a pris le pire. And when they were printing the book, we encouraged them to make as many mistakes as possible. Et pendant le travail d'impression, on les a encouragés à faire autant d'erreurs que possible. So it fitted in with the whole junk novel mentality. Donc ça allait très très bien avec toute la mentalité des romans de gare. On va peut-être prendre encore une ou deux questions, si vous avez, puis on va devoir s'arrêter, sachant que vous pouvez encore, je crois, acquérir les livres de Martin Parr, ou en tous les cas une sélection des 54 livres qui ont été publiés, si vous souhaitez le faire dédicacer. Oui, donc on a une question ici. Bonsoir. Est-ce que le cinéma documentaire vous intéresse? Est-ce que ça pourrait être votre futur, le cinéma? Yes, I love documentary films. I'd love to make more films, and indeed I'm doing so this year. But there are so many things I want to do. It's a question of finding the time. J'adore le cinéma documentaire. En fait, j'en fais, mais tout est une question de temps. Il y a tellement de choses à faire. Il faut trouver le temps. I haven't made it yet. Ben, je l'ai pas fini, donc. No, but if you go to my site, you can get links. You can see film clips, and you get links to where to buy DVDs. Et en fait, si vous allez sur mon site internet, vous allez voir des hyperliens, voir où acheter, regarder des clips d'abord, et voir où pouvoir acheter des DVD. Et après, Francine, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Non, c'est ça la règle du jeu. Hein. Bonsoir. Il y a un mot qui est revenu assez souvent dans la séance de questions-réponses, c'est le mot humanisme. Ceci dit, je me posais un peu la question, surtout en regardant les photos de la série Luxury. Comment est-ce qu'on est photographe humaniste sans chercher à générer de l'empathie vis-à-vis des gens qu'on photographie? Et donc, comment... D'abord, est-ce que Martine se considère toujours aussi humaniste que dans les années 80? Et comment il définit le mot humanisme comparé aux photographes, on va dire, les Bouba, Ribou, les photographes des années 50, 60 de ce mouvement? Merci. Well, I like the photographers from the 50s. I mean, I'm very respectful of the history of photography. J'admire les photographes des années 50. Je suis très respectueux de ces photographes. I mean, one of the things you have to remember about the Luxury Project, it was a critique of that incredible growth period that we had, which finished about 3 years ago, which started in 2003 and came to a climax in 2007. En fait, il ne faut pas oublier que tout le projet Luxury, Luxe, était un projet de critique. Et c'était une critique de cette époque de luxe qui a commencé dans les années 2000, de 2003, et qui s'est terminée en 2007. But the critique is not spelled out, the critique is only implied. Mais la critique n'est pas évidente, elle est simplement sous-entendue. And I look at it as an epitaph to that whole crazy period of growth where the world went insane, et where moi, they were trying to outspend each other. Pour moi, cette œuvre, enfin ce travail, c'est une épitaphe à cette période où tout le monde essayait de dépenser plus que l'autre. I mean, one of the big problems with the world is that we've all become too wealthy. L'un des grands problèmes du monde, c'est qu'on va devenir trop riche. And as the BRIC countries, Brazil, Russia, India, China, all catch up with the wealth that we take for granted in Europe and America, the problems are going to be exacerbated.
Et lorsque les pays BRIC, BRIC, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine vont rattraper les pays occidentaux, c'est là qu'on va avoir d'énormes problèmes. So that's my agenda for shooting a project like that, but of course I do not spell that out in the book. It's just a book about wealthy people. C'est ça mon programme en fait quand je fais ce projet, mais c'est pas dit dans le livre. Donc quand je commence à photographier, je ne photographie que des gens riches. And of course wealthy people where you can get to them, because when you go to an art fair or horse race meeting, wealthy people are out there drinking, enjoying themselves, and so it's great opportunity for me to get direct access to wealthy people. Je vais dans des lieux où ces gens-là se réunissent, que ce soit une course ou une manifestation artistique, et là, ils boivent, ils mangent, et c'est pour moi une occasion fantastique de pouvoir avoir accès à ces gens. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a encore des questions et que malheureusement, on ne peut pas toutes les aborder aujourd'hui. L'actualité de Martin Parr en France reste assez vive, puisque donc vous le retrouverez en avril, c'est sans doute le prochain rendez-vous à la Goutte d'Or, que vous pourrez le retrouver en mai, juin à Sanary dans le nouveau festival qui s'appelle Photomed, et que vous pourrez le retrouver à Arles à nouveau avec sa casquette de commissaire d'exposition, accompagné de 4 autres commissaires qu'on aime beaucoup à Arles, Clément Chéroux, conservateur aussi au Centre Pompidou, Johan Font Coubertin, le catalan qui fait des mystifications, Joachim Schmidt, qui est ce champion de la récupération des photos dans les poubelles, et Eric Kessel, ce directeur artistique hollandais qui a plusieurs fois sévi à Arles également avec des séries trouvées au puce. Et le gang des 5, je ne vous en dirai pas plus, mais travaille depuis 6 mois sur une surveillance des nouveaux usages de la photographie et a publié un manifeste qui sera révélé à la conférence de presse fin mars des rencontres. Voilà, je voudrais remercier Michel Zlotowski qui a assumé cette traduction avec brio et entrain et a permis que ce ne soit pas fastidieux. Merci beaucoup. Remercier Francine Figuière pour son invitation et donc vous dire à très bientôt. Et merci à Martine Parr.